Allez, ça y est, la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous emmener avec nous sur un road trip que nous avons effectué. Nous avons fait l'étape, une étape de la Vélocinie. Nous sommes partis donc de Antony jusqu'à Maintenon, qui se trouve à environ 15 km de Chartres, 15-20 km de Chartres. Initialement, nous avons 91 km, finalement ce sera 78 parce que je stressais un petit peu au niveau des batteries, donc j'ai préféré prendre un itinéraire un peu plus rapide. Allez, venez avec nous, on y va. Allez, hein, c'est parti pour le road trip. C'est parti, c'est parti. Château de la Madeleine. On a vu à l'aller dans un angle différent. Le château de la Madeleine. Alors le site chevreuse.fr, je vais tirer mes sources du site chevreuse.fr. Donc le château de la Madeleine est l'un des rares châteaux médiévaux conservés en Île-de-France. Véritable emblème de Chevreuse, le château de la Madeleine, situé sur les hauteurs de Hautevilliers, offre un superbe panorama sur la vallée de l'Yvette. Magnifique forteresse, le château de la Madeleine a été construit à partir du XIe siècle et est devenu l'enjeu de luttes sévères, en particulier durant la guerre des Cent Ans. Son donjon, Barlong, est l'un des mieux conservés d'Île-de-France. Vendu comme bien national à la Révolution, le château est aujourd'hui propriété du Conseil départemental des Yvelines, et abrite la maison du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Alors pour information, la visite est gratuite. Vous pouvez accéder librement sur les horaires d'ouverture et vous pourrez visiter la cour intérieure, les remparts, avec la superbe vue panoramique sur la vallée de Chevreuse, la tour des gardes ainsi que les caves. Voilà, je vous souhaite une très belle visite si jamais vous décidez d'aller visiter le château de la Madeleine sur les hauteurs de la vallée de Chevreuse. On continue. Au niveau du guidon, là, vu que le guidon va vers l'avant, pour le porte-bagages à l'avant, vous êtes limité, hein, vraiment en termes de hauteur. Donc du coup, on a dû écraser un petit peu le sac. Donc là, ça passe nickel. Mais bon, c'est quelque chose à prendre en compte, hein. On a une piste cyclable. Nous avons une piste cyclable juste à côté de la route. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Regardez. Parce que je peux vous dire, à côté, ça roule un peu vite. À côté, ça roule un petit peu vite. Là, on va ranger la caméra, il y a une montée. Comment s'en sort ma femme? The beautiful wife. Elle s'en sort super bien. Écoutez, hein. Avec son super Engwe L20. Le Engwe L20, vous allez avoir la review bientôt. Vous allez avoir la review bientôt. Je pense que le road trip va sortir avant. Parce qu'il me manque quelques éléments à rajouter, notamment la conclusion de la vidéo. Bah. Alors, on est parti.
petit mot sur le château de Rambouillet. Je vais m'inspirer du site Rambouillet Tourisme pour vous donner quelques informations à propos de ce château. Le château fort du XIVe siècle a été progressivement transformé par ses propriétaires en une résidence d'agrément acquise par Louis XVI en 1783. De son origine de forteresse, il a conservé son contour bastionné et son donjon du XIVe siècle. L'ancien domaine royal, situé au cœur de plus de 20 000 hectares de bois, était alors un domaine de chasse fort apprécié des têtes couronnées. Aujourd'hui, le domaine présidentiel accueille périodiquement les chefs d'État invités en France. Imaginez que c'est au château de Rambouillet que François Ier mourut, que Charles X abdiqua et que les précieuses tenaient au XVIIe siècle leur cour 15-16-17, oui, c'est ça. Et que les précieuses, donc je pense que c'est par rapport aux précieuses ridicules, tenaient au XVIIe siècle leur cour littéraire, que Louis XVI et Napoléon vécurent avant que la République en fasse une résidence présidentielle. Alors on fait une petite pause déjeuner. Yumi yumi. Sublime. Personne n'a rien. Super. Allez, on continue. Il nous reste 2h48. Et pour ça, je vais m'aider de l'Office du Tourisme pour vous donner un petit mot sur Maintenon et ses alentours. Maintenon est une ville d'Eure-et-Loir en région Centre-Val-de-Loire, située au confluent de l'Eure et de la Voise. Elle est connue pour son château qui fut la propriété de Madame de Maintenon, l'épouse secrète du roi Louis XIV, ce coquin. Le château est un bel exemple d'architecture du XVIIe siècle, avec ses jardins à la française, son aqueduc inachevé et son musée consacré à l'histoire du domaine. Malheureusement, il pleuvait, et donc du coup, notre visite a dû être écourtée. C'est pour ça que je vous fais profiter des belles photos qui ont été prises, afin de vous donner une idée de la beauté du lieu.
Allez, on est parti pour le jour 2. Aujourd'hui, nous changeons légèrement d'itinéraire. Hier, nous avons pris un itinéraire qu'on appelle touristique de 78 km. Aujourd'hui, nous prenons un itinéraire qu'on appelle sécurisé, donc il y a 1 ou 2 km en plus via l'application GeoVélo, ce qui va me permettre de pouvoir passer par un itinéraire qui est différent de celui d'hier. Et là, on aura beaucoup de routes de campagne, des traversées de bois, des chemins boisés, différents types de sol. Et ça va être un retour qui, après coup, hein, puisque là je parle en voix off, a été Ah, je me extrêmement suis fait agréable blinder pour de nous. bras. Voilà. J'espère que la vidéo vous plaît jusqu'ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que le format, notamment du jour 1, vous a plu? Les petites présentations brèves des monuments, etc. Et nous continuons la balade. C'est parti. La mer, mais regardez le stop. Bien visible, hein. Vraiment pas mal. Et là, on a repéré des murs. C'est la pause sucrée. Chérie, on en a vu plein là. Attends. C'était un petit peu caché. Mais on a des très belles. Regardez un petit peu ça là. Plein de murs. Ouais. Bon, il y a eu des éclaboussures et vous pouvez voir que il va falloir que je remédie à ça. Vous avez on a des éclaboussures. Il faut faire attention parce que le contrôleur se retrouve juste ici. Ça remonte jusqu'à là au niveau de la batterie. Et vous pouvez voir que même à l'arrière, le sac est s'est pris un petit peu d'éclat. Donc du coup, il faut rallonger ici et rallonger également ici. Et je vais mettre un pare-boue ici également. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous préparer ce petit road trip qui en présage plein d'autres, je l'espère. J'espère que le format vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça. Et si le format vous plaît en tout cas. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, notamment pour la présentation du Hengwe L20. Et d'ici là, prenez soin de vous, roulez prudemment et toujours levé. Toujours, toujours levé.